Salut tout le monde, mon nom est Steelers et bienvenue dans Pivot, un jeu sur iPhone ou iPod. Donc, c'est un jeu qui est nouvellement sorti sur le App Store et je me suis fait un délire, je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il avait l'air sympa, il était suggéré. Donc, je vais baisser légèrement le son par contre, il est un peu fort, voilà. Et on l'essaie aujourd'hui ensemble. J'ai déjà un petit peu avancé dans le jeu, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, il y a Voyage, Endless, Expert Voyage, Expert Endless, Berserk, et Random Endless, et Random Expert, et Looper, et Daily Challenge. Donc, il y a vraiment plein de trucs. On va aller directement à Voyage et je vais continuer ma partie. Vous allez rapidement comprendre. Donc, en appuyant sur le côté gauche de l'écran, ou le côté droit de l'écran, je dois faire tourner la petite bulle verte que vous voyez qui bouge présentement de gauche à droite. Et je dois tout... Ah, fuck. Voilà, comme vous pouvez voir. Ok, c'est tout ralenti. Donc, vous pouvez voir, je suis mort 23 fois jusqu'à maintenant. Et on continue. Donc, sur le... Ah, fait chier, je voyais pas que j'étais dans ce sens. Donc, c'est vraiment du hasard à tous les fois. Fait chier, je suis vraiment poche. Donc, c'est vraiment du hasard à tous les fois, mais ça devient de plus en plus compliqué sur le beat d'une musique. C'est vraiment très agréable comme jeu et on doit tout simplement éviter ce qui se dresse vers notre chemin, mais en utilisant en fait un effet de direction. Donc, ça vient par exemple des fois mélangeant parce qu'on est porté à vouloir tourner d'un côté et en tournant, on s'accroche sur l'objet en question qui se dressait en fait sur notre route. Et le tout est dans un design vraiment cool, une musique vraiment chouette et qui vient vraiment venir nous rentrer dans le jeu. L'ambiance est vraiment chouette. C'est pour ça en fait que je l'ai carrément acheté et je me suis dit que ça pourrait peut-être en plaire certains d'entre vous parce que je crois que... What? Parce que je crois qu'en fait, la plupart d'entre vous jouent à des jeux. Donc, sur leur téléphone ou par exemple leur mobile, iPhone, iPod. Alors, je me suis dit des fois, je devrais peut-être faire quelques chroniques. J'en avais déjà fait auparavant, mais j'utilisais en fait les trois apps en 9 minutes, je crois. J'utilisais 3 minutes à chaque application, mais ça n'a pas vraiment accroché. C'est sûr que j'étais en début... Merde! J'étais en début de chaîne. Alors, mais bon, j'aime mieux par exemple une fois de temps à autre trouver un jeu vraiment cool et l'essayer avec vous. Ça fait des petits épisodes bonus et ça permet en fait toujours dans le monde du jeu vidéo découvrir des jeux avec vous. Da fuck! Donc il y a vraiment plein de nouvelles surprises dans le genre. Ok, comme ça. Oh putain! Excellent. Ah merde! C'est ça, je vous dis, c'est vraiment pas évident parfois. Ah, voyez-vous, je suis porté à essayer d'aller dans l'autre sens. Fait chier, je dois aller. Non, non, non! Oh! Ah! Fuck! Comme ça, comme ça. Allez, oh! Ok, voilà. Il va en avoir un autre. Oh! Voilà. Wouhou! Dans ce sens. Ouais. Excellent. Ah! Oh! Oh! Yeah! Wow! Ah! Oh, fuck! Ah putain. Donc, je vais juste essayer en fait le mode Endless que je n'ai pas utilisé encore juste à maintenant. Voyons voir ce que ça fait. Qu'est-ce que cela nous réserve? The longer you live, the faster it gets. Can you get to 100? Comment ça fonctionne? Ok, donc cette fois-ci, on doit tout simplement se rendre à 100. Et ce n'est pas vraiment en fait une histoire. Ah, ok! Il n'y a pas de save, en fait. Faut tout simplement réussir à se rendre à 100. Et ça devient de plus en plus difficile, je présume. Donc, on est rendu à 10. Ah, fait chier, merde. Donc, c'est sûr que quand on joue toute seule, on peut un peu plus se concentrer. Mais pendant qu'on fait une chronique et que je vous explique un peu mon avis, c'est un peu plus difficile de carrément se concentrer. Oh, 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 oh putain! Yeah! Donc, si vous avez des jeux à me proposer qui sont originaux, payants ou gratuits,
Probablement que lorsqu'il y en a un qui m'accroche, j'en ferai un petit vidéo. Donc, ça ne devrait pas être vraiment le principal sur ma chaîne. Mais je trouve ça quand même assez drôle, une fois de temps à autre, de pouvoir faire des petites vidéos comme ça avec vous. Je ne vais pas dépasser 5 minutes, parce que généralement, les jeux sur téléphone sont quand même assez courts. Je vais le laisser vous le découvrir. J'ai dit de la merde. Je vais vous laisser le découvrir si vous avez envie d'avoir un petit jeu dingue comme ça sur votre portable ou votre appareil. Il se fait aussi sur iPad et de ce que j'ai pu comprendre, je me rappelle plus, c'est bien lui, il se ferait aussi sur Steam, donc pour PC. Mais moi, j'y joue là-dessus. Je l'ai acheté à 2,99. Il n'y avait aucun avis, donc je crois que le jeu vient de sortir, ça fait pas longtemps, et je me suis dit, tiens, je vais les encourager. Alors, probablement qu'il va, son prix va descendre lorsqu'il va gagner en popularité. Eh bien, j'avais envie de le partager avec vous. Alors, c'est déjà tout. J'espère que cet petit épisode vous a plu. Commentez comment vous l'avez trouvé. Et commentez-moi aussi des jeux. Évitez les jeux, en fait. Ne me donnez pas, en fait, des jeux, par exemple, comme les Farmville ou Clash of Clans ou ce genre de trucs où c'est beaucoup de la micro-gestion et qu'on doit développer, parce que je veux pas faire des séries ou je veux pas faire des longues vidéos. Donc, vraiment, des jeux prise en main rapide. Je veux des jeux dans le genre, on joue dans le métro ou dans le bus, ou peu importe, des petits jeux comme ça, on démarre, on joue un peu, on arrête quand on veut. Alors proposez-moi des trucs accrocheurs comme ce jeu. Et s'il y en a un qui m'accroche, eh bien, je vais le faire découvrir aux autres personnes. Alors sur ce, à vos claviers. Les liens sont dans la description. Facebook, Twitter et mon site web www.steelers.com. Partagez avec vos amis, visitez l'avancement de mes jeux, allez jeter un coup d'œil dans la section « T'es un fan » de mon site web, il y a plein de trucs géniaux. Explorez, mes chers amis, toujours dans le monde du jeu vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!